C'est l'affiche de ces huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Elle oppose les deux derniers vainqueurs de la compétition. Le Paris Saint-Germain reçoit Saint-Étienne au Parc des Princes. Laurent Blanc l'avait annoncé, Salvatore Sirigu est préféré à Kevin Trapp dans les buts. Verratti est titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure. Du côté stéphanois, Christophe Galtier fait face à une véritable hécatombe. Pas moins de 15 joueurs sont absents aujourd'hui. Les tout jeunes Pierre Gabriel, Décoquet ou Saint-Louis sont alignés d'entrée. La première occasion du match est à l'actif des Verts. La défense parisienne peine à se dégager. Le ballon revient dans les pieds de Renaud Coad. Le numéro 10 stéphanois décale sur Jérémy Clément. Sa frappe aux 25 mètres passe largement à côté. On joue alors le premier quart d'heure. Les stéphanois, appliqués, bien regroupés en défense, neutralisent les joueurs de Laurent Blanc qui restent sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, face à leur adversaire du soir. Le PSG a du mal à rentrer dans la partie. 25e minute, sur un corner joué à deux entre Lavezzi et Vanderville, le néerlandais décale sur Verratti qui cherche Lavezzi. La défense stéphanoise repousse difficilement sur Zlatan Ibrahimovic. D'un geste acrobatique spectaculaire, il trouve la barre transversale. Quel geste fantasque et fantastique du Suédois qui était tout près d'inscrire l'un, si ce n'est le plus beau but de cette première partie de saison. Lui qui reste sur 11 buts en 6 matchs face aux Verts. Le retour de Marco Verratti fait du bien au milieu de terrain parisien. L'Italien trouve Adrien Rabiot qui s'essaye à la frappe aux 30 mètres. Jesse Moulin repousse difficilement avant de s'emparer du ballon en deux temps. On est alors à la 35e minute de jeu. Paris accélère, le plus souvent dans le couloir droit. Zlatan Ibrahimovic lance Vanderville qui centre au cordeau au premier poteau. Lucas se jette devant Paloma mais ne parvient pas à trouver le cadre. Ce n'est que la troisième occasion du PSG durant les 45 premières minutes qui peine à imposer son rythme face à des Stéphanois très sérieux. Mais inoffensif, pour l'instant, le pari de Christophe Galtier de résister au moins une période s'avère gagnant. La seconde période reprend sur le même rythme, il faut attendre l'heure de jeu et les entrées de Di Maria et Cavani à la place de Verratti et Ibrahimovic pour impulser le jeu du PSG. On retrouve l'Argentin, meneur de jeu ce soir. Il lance Cavani dans la profondeur. Le ballon est compliqué à négocier. Il ne parvient pas à trouver le cadre devant Jesse Moulin et donc à donner l'avantage au Sien qui affronte Saint-Etienne en Coupe de la Ligue pour la quatrième saison d'affilée. Une série record dans la compétition. Le retourne, malgré ses 75% de possession de balle, Paris n'arrive pas à se créer d'occasion réellement dangereuse. Et lorsqu'elle y parvient, c'est Jesse Moulin qui bloque les tentatives franciliennes. Ici, cette frappe puissante d'Ezequiel Lavezzi, ce n'est que le deuxième tir cadré du match pour les Parisiens. Et alors que l'on semble se diriger vers les prolongations, Paris trouve la faille grâce à son duo Di Maria Cavani. Le premier trouve, le second dans la surface de réparation. Cavani fait le reste. Saint-Étienne aura tenu 86 minutes. Pour le plus grand plaisir de Zlatan Ibrahimovic, la connexion est parfaite entre les deux Parisiens. Di Maria a vu le départ de l'Uruguayen dans le dos de Pierre Gabriel. Il sauve les Parisiens de la prolongation d'un plat du pied parfait et appliqué. Le PSG s'impose sans briller, 1-0, mais l'essentiel est là, la qualification pour les quarts de finale. Le triplé dans la compétition reste toujours d'actualité. Les hommes de Laurent Blanc affronteront l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour une place en demi-finale le 13 janvier prochain.